Ben oui, tu me reconnais pas? Toi, t'as l'air d'un gars du peuple, là. Pis habituellement, me tiens pas trop toi avec des ticounes qui ont pas une scène. Arrête de niaiser, Raoul! C'est moi, Johnny Boy! On est best buddy depuis qu'on est haut de même! Quand t'essayais de causer dans le cours d'école, c'est toujours moi qui te mettais des pinceurs d'en face après que la fille t'ait sacré une volée! J'ai lavé ta BM des centaines de fois! Même quand tu baisais dedans! Tu t'en rappelles pas? Non. C'est moi qui t'ai présenté la belle Cécile au Gigolo Night Club! Cécile, je te présente Raoul! C'est la fille de Laval qui te fait triper, là, celle avec le super beau rack? Non, gars, ça me dit rien, là, tu dois me confondre avec quelqu'un d'autre. Tu te rappelles vraiment de rien? Allume, Raoul, parce que tout ça, là, c'est pas vrai. C'est juste un rêve. Un rêve? Comment ça, un rêve? Tu veux dire que j'ai une vie de rêve? Non, je veux dire que tout ça, c'est un vrai rêve. En ce moment, t'es en train de dormir, Raoul. Pince-moi un mamelon, mon mignon. Ah! Attends, attends. Tu vois? Si je dormais, j'aurais pas senti cette douleur. Qui était très agréable, mon beau petit bébé. T'as vraiment tout oublié? On a vu une pub des Labos Gendron dans un magazine. Ils ont mis sur pied une machine qui manipule les rêves puis qui permet de réaliser ses fantasmes les plus fous. T'as tout de suite voulu l'essayer. T'as demandé d'être un sultan puis d'avoir un harem. Habituellement, les gens restent juste quelques heures dans leurs rêves, mais toi, tu tripes tellement que t'es resté pogné dedans. On a tout essayé. Y a pas moyen de te réveiller. Ça fait que le docteur Gendron m'a branché sur ton rêve pour que je vienne te chercher puis que je te réveille. Ben voyons donc. T'es en train de me dire qu'il y a rien de tout ça qui est vrai puis que je m'imagine être un sultan. C'est ça. Tu sais que c'est un peu insultant ce que tu dis. T'as pas le tu. C'est super drôle, sultan Raoul. Tu vois bien que c'est pas la réalité. Les filles te trouvent drôle. Pis t'as une Rolex. Y'a pas de Rolex dans les mille et une nuits. Non. Ni de distributrice de condoms. Pis y'a pas de machine à boules. Ni de sac de chips crème sur et oignon. Tu racontes n'importe quoi. T'es juste jaloux de mon palais, de mon harem pis de mes babelles. Écoute-moi bien, Raoul, là. C'est important. Le doc Gendron dit que si tu restes dans ton rêve plus de 24 heures, tu risques de devenir légume. Et vu que t'es complètement jamais dedans, la seule façon de te ramener dans le monde réel, c'est de te faire mourir dans ton rêve. Quoi? Faut que tu meurs, Raoul. Garde! Coupez-lui la tête! Non, 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 Raoul, attends! Il faut que tu te réveilles, c'est urgent! Ah! Merde! Et Kenny de peau! Puis vous allez toutes les essayer. Ah, t'es trop cool, sultan Raoul! Oh! Regarde! Un charmeur de serpent! Hey, ben c'est bien cool, ça! Soupe dans la flûte, puis ça lève! Hey, ça marche-tu juste sur des serpents? Attaque! Attaque, qu'il joue de serpent!